qui est 70-64. Quand on voit la deuxième mi-temps, il y a de quoi nourrir quelques regrets sur l'ensemble de la partie. Oui, bien sûr, mais le Japon était vraiment dans le tournoi. On savait ça avant le match. Il était quelques clés, par exemple, défense sur la 8 et sur la 4. Ils ont bien joué de nouveau au début de match. Et là, mi-temps, on a parlé un petit peu avec les filles. On a le dernier défense, le premier mi-temps. Là, on était capable de montrer qu'on est capable d'arrêter en défense, mais half-court. Et ça, c'était notre but, c'était de prendre confiance en attaque, mettre quelque chose. Tactiquement, on a changé un petit peu, ça s'était mieux passé. Et le repli défensif était meilleur. Et à la fin, tu as encore le match en je ne peux pas dire en main, mais il était encore deux petits lay-ups qu'on rate. Deux petits calls qui ne sont pas du tout favorables. Et voilà, ça, c'est comme ça. On a vu aussi une équipe plus agressive, plus enthousiaste en deuxième mi-temps. En première mi-temps, quand le Japon a creusé un peu l'écart, on a senti un peu découragement. Mais à la mi-temps, on a remis les choses au point. Ouais. Mais c'est dommage que c'était le deuxième mi-temps. On a tout fait pendant deux jours par rapport aux entraînements, par rapport les petits contacts avec les filles, etc. Et ici, c'est dommage qu'on pouvait que réagir le deuxième mi-temps. Tu sais que tu étais déjà à moins 25 presque le premier mi-temps pendant les moments. Et ici, tu joues finalement un match de quelques points à la fin du match. Demain, c'est l'Italie. De quoi prendre sa revanche aussi contre une équipe italienne que vous avez perdue hier? Bah, tout dépend les joueuses. Tout le monde sait que les équipes d'Europe ont déjà fait quelques matchs en plus que des autres continents. Je parlais des championnats d'Europe. Et ici, c'est de nouveau regarder comment l'équipe était, qu'est-ce qu'on peut encore donner. Et si c'était comme le deuxième mi-temps, moi je suis d'accord d'aller dans une situation de revanche, de réagir, etc. Cette année, j'ai déjà deux fois perdu contre l'Italie. Demi-finale avec le U16, ici le dernier match du groupe. Et, si les filles veulent, moi je veux bien aussi.